Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un complément alimentaire, j'ai oublié le nom forcément, les Miraculeux, et une petite commande Aromazon. C'est parti. Voilà, ça s'appelle, il y a un reflet, je sais pas pourquoi, bon bref, hop, comme ça. Tac, les Miraculeux. Il y a écrit quoi sur la boîte? N'attendez pas un miracle, provoquez-le. Avec des petits trucs voyage, petites photos, quoi, avec des petits hashtags. C'est pas mal leur packaging, j'aime bien. Enfin, c'est sobre, voilà, mais c'est très écologique. Là, il y a toutes les gammes. Je vous montrerai peut-être après ce qu'il y a. Je vais déjà vous parler de celui-ci. Alors je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne bien. Je vous dirai, je vous mettrai une annotation quelque part. Si j'ai pas fait mon montage avant. Et sinon, je vous mettrai en barre d'infos. Alors, vegan, arôme naturel, non testé sur les animaux, réduit en sucre et emballage recyclé. Alors celui-là, c'est le Energy Boost Immédiat. Complément alimentaire à base de plantes, vitamines et minéraux. Il y a 42 gummies dedans et c'est fabriqué en France. Voilà, j'ai acheté ça parce que je suis super fatiguée. Alors tout le temps, genre je peux dormir n'importe quelle heure, je suis épuisée mais constamment. Du coup, je testerai si bien c'est percolé. Je me disais, mais il en manque en fait. Il y en a qui se barrent avec ou comment ça se passe? Ben, en fait, il doit y avoir... Il était collé ça. Il doit y avoir 42 gummies dedans, pile. Et du coup, on a l'impression que la boîte est à moitié vide. Alors, ils auraient pu mettre chaud bon, une boîte plus petite, ou je sais pas. C'est vrai que c'est operculé, sinon je me serais demandé s'il manquait pas des trucs devant, quoi. Bref, voilà. Et donc, du coup, voilà, je vous mettrai une annotation si ça fait bien. Apparemment, ça serait. Ça marcherait déjà au premier jour. Alors, j'y crois moyen, mais. Ouais, 10 ans, ça marchera au premier jour. C'est quoi ça? Spécial parrainage. Ah, cool. 10 euros offerts pour votre filleule. Donc je vous mettrai pareil en barre d'infos les liens. Je vous mettrai peut-être une petite... Casse-toi le moucheron là. Une petite annotation, quelque chose. Votre filleule passe commande avec votre lien de parrainage, 10 euros pour lui. Alors, je vous mettrai le lien du site du coup, et puis le petit, la petite, ah, j'ai du mal, c'est pas possible. Le petit code, enfin pas le code promo, mais le petit lien pour de parrainage. Oh, bon sang, j'ai réussi. Alors du coup, il y a aussi les gummies beauté, les gummies énergie, bah, c'est ceux-là, les gummies sommeil, les gummies stress, c'est pas facile à dire ça, les gummies immunité et les gummies pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les beautés, pour tout type de cheveux, les ongles et la peau. Les gummies sommeil favorisent l'endormissement. Et améliore la qualité du sommeil. Les gummies de stress réduit l'anxiété et diminue la fatigue. D'accord, ça fait les deux. Ok. Voilà, il aurait peut-être fallu plus ça du coup que gummies énergie, j'ai pris. On verra bien. Pour renforcer les démences. Les démences, oui. Pour renforcer les défenses, c'est mieux. Immunitaire. Ah oui, immunité, forcément. Et pour les enfants, un concentré de vitamines idéal pour couvrir les besoins nutritionnels de votre enfant. Toc. Voilà. Et donc, chez les Miraculeux, la qualité... Et la sécurité de nos produits passe avant tout. Tac. Voilà pour ça. Et donc du coup,
pour ma commande Amazon. Et forcément, ça s'est mis en dessous. Alors, pour ma commande Amazon, j'ai commandé du coup du henné neutre bio, fortifié et embelli. En fait, j'avais un petit problème de démangeaison. Tant pas toi. J'avais un petit problème de démangeaison sur le... Bah, au cuir chevelu, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser du henné pour calmer un petit peu tout ça. Et ça marche assez bien, je trouve. C'est pas mal. Mais alors, moi, j'ai un souci avec le henné. Enfin, avec toutes les poudres en général, pas que le henné. À chaque fois que j'essaye de mettre des poudres dans mes cheveux, c'est une catastrophe pour les rincer. La première fois que je l'utilise, ça va toujours bien. La première fois, je le rince normalement. Je fais un shampoing, tout va bien. J'en ai plus. Deuxième fois que je l'utilise, j'ai dû faire mon shampoing 3 fois. Et il me restait encore de la poudre ici, à l'arrière des cheveux. Donc, si ça me fait ça à chaque fois, ça va vite être emmerdant. Pardon du grand mot, mais je vais l'utiliser moins souvent. Parce que s'il faut que je fasse 3 shampoings à chaque fois, si je suis pressée, ça va être très très embêtant. Voilà, et donc du coup j'ai commandé de l'huile végétale d'avocat, protectrice et régénérante, peau sèche et fragile. Alors ça, je l'avais commandé parce que je sais plus où j'ai vu ça. Je ne me souviens plus. Je vous ai pas dit combien il y avait 250 grammes dans le... Dans le henné. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Je sais plus où j'ai vu ça. Que l'huile d'avocat était bonne pour les cernes ou les poches. Je sais plus. Bref, cernes ou poches sous les yeux. Et du coup, j'ai acheté ça pour ça. Et derrière, ils nous disent quoi? Parce que moi, je l'utilisais pour ça. Conseil d'utilisation. S'utilise en tant qu'ingrédient cosmétique pour préparer vos soins visage, corps et cheveux. Ouais. Oui, donc bon, je peux... Oula, mais j'arrive pas à parler. Donc, je peux, je pense, le mettre dans autre chose. Ouais, je pense pas que... Oh, si, c'est l'huile. Je pense qu'on peut le mettre pur. Hein. Je pense pas que ça pose de soucis. Bon, je ne mettrai pas sur les cheveux parce que... Là, on a l'impression que j'ai les cheveux gras, mais non, ils sont propres. Hein, La lumière qui fait ça, on a l'impression qu'ils sont dégueulasses, mais pas du tout. Je les ai lavés hier, donc ils sont pas dégueulasses, mais on a l'impression. Pourquoi j'ai ça là, moi? Je ne sais pas. C'est vieux, ce truc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça là. Pas du tout ceux que j'ai achetés maintenant. Alors, j'ai acheté de l'huile essentielle de serpelet. Oh, mais il y a un reflet, c'est pénible. Tac. Et ça, c'est en... Je n'ai pas écrit sur le... Ah, si. 10 ml. Et du coup, celui-là, il est... On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas écrit. Alors, moi, j'en ai acheté pour le stress, il me semble. Stress, fatigue, anxiété, tout ça. Alors celui-là, je me souviens plus. J'essaierai de vous mettre en dessous parce que je me souviens plus. C'est pas écrit derrière pourquoi ils sont utilisés. Donc je me souviens plus. J'ai acheté une marjolaine à coque. Pareil, hein, c'est à peu près les mêmes choses. Mais celui-là, il est aussi pour... si on le met en diffusion, il est aussi pour... Pour dégager pour les rhumes, je crois. Si je vous dis des bêtises, je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Ou en petite annotation sur les côtés, je pense. Ce sera plus simple même en annotation. Non, ça je ne l'ai pas acheté non plus là. Je sais pas, j'ai des trucs, je sais pas pourquoi ils sont avec. Mais... Et j'ai acheté du basilic tropical. Et il m'en manque une, je crois. Il y en a une que j'ai pas là. Hop. Basilic tropical. Pareil, hein, c'est... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est... stress, fatigue, bah, tout ce genre de choses, quoi. Tous les états un peu... Pas dépressifs, mais un peu comme ça. Enfin, un peu...
Oh, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Enfin bref, vous avez compris. De toute façon, je vous mettrai une petite annotation. Donc voilà. Et j'ai acheté du beurre de karité végétal. Oh là là, mais c'est reflet là, c'est pas possible. Tac. En 100 ml. Donc je sais pas si ça se voit, mais. Et donc ça, je l'ai acheté pour protéger ma peau du henné, parce que le henné tache la peau. Et du coup, je l'ai acheté pour protéger un peu, pour éviter d'être vert de partout. J'en mets un petit peu sur les mains quand j'étale mon truc, pour éviter d'avoir les mains vertes, parce que quand on travaille en commerce, c'est un petit peu partie du corps qu'on voit le plus. Donc, puis avec le masque, la tête, on la voit beaucoup. Hein, donc les mains, on les voit beaucoup. Et du coup, ouais, je mets ça sur les oreilles, là, au niveau des tempes, le front, parce que moi, quand j'en ai vraiment partout. Ça tombe partout. C'est une cata, à chaque fois, je me retrouve jusque là. Donc ouais, bien protéger la peau avec le beurre. Puis bon, il peut toujours servir pour autre chose, le beurre de karité, parce que ça hydrate. Par contre, ça pue. Ça pue, ça pue. Et donc voilà, voilà voilà pour mes petits, merci, voilà pour mes achats, et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et laissez-moi un petit commentaire en barre d'infos, si cela vous dit, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!